Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. Depuis le début de la saison, Claudio Ranieri, l'entraîneur nantais, l'a reconverti arrière-gauche. Pas évident pour ce droitier, défenseur central de formation, qui a su malgré tout s'adapter. On va en parler avec lui puisque Kofi Djidji est notre invité aujourd'hui dans Fou de Foot. Bonjour. Salut. Dans la prochaine demi-heure, on va également parler de vos ambitions, de vos objectifs pour le futur. Et puis on reviendra également sur la défaite à Caen, 3 buts à 2, c'était dimanche dernier. Puis on se penchera également sur le match qui arrive dimanche 17h face à Lille à la Beaujoire avec notre autre invité, Frédéric Happe de l'AFP. Bonjour Fred. Bonjour. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Et on commence avec vous, Kofi Djidji. Coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur sur le reportage sur Abdoulaye Touré. C'était court, mais voilà, ça montre un bon parcours, qu'il a rien lâché malgré quelques difficultés. Et voilà, il représente bien Nantes et le centre de formation, donc c'est un plaisir. Un reportage réalisé par nos confrères de beIN Sport. C'est vrai qu'on à Malakoff, hein, puisque c'est ouais, là dont il est, d'où il est originaire, Abdoulaye Touré. Votre coéquipier. Fred, coup de cœur ou coup de gueule ? Ce sera un coup de cœur également. C'est la qualification des Herbiers en quart de finale. C'est historique pour le club. Face à Auxerre. Face à Auxerre. Qui avait battu Nantes au premier tour. Qui a vengé Nantes, exactement. Ce qui a mis en plus notre ami et collègue David Filippo en extase. Ah oui, le Vendéen. Oui, le Vendéen. Donc, c'est un club qui travaille bien depuis quelques années. Et, c'est mérité. C'est une belle aventure pour eux. Et on croise les doigts pour le tirage ce soir. Et pourquoi pas les Herbiers Paris Saint-Germain à la Beaujoire. Ce sera le 26 février hein, pour le quart de finale. Les Herbiers Chambly pour viser. Pour aller encore plus loin. Allez, pourquoi pas. Kofi Djidji est donc notre invité, le défenseur du FC Nantes. Alors, défenseur central ou arrière-gauche ? Comment vous préférez qu'on... En central quand même. Toujours arrière-central. Parce que depuis le début de la saison, on le disait, Claudio Ranieri, eh bien, vous a cantonné dans ce poste d'arrière-gauche. Comment on vous l'annonçait d'ailleurs en début de saison ? Parce que je regardais un petit peu les compos nantaises du début de saison. Vous avez commencé dans l'axe, vous avez joué une fois également arrière-droit. Et puis ensuite, à partir du match de Lyon, on vous retrouve arrière-gauche. Comment ça s'est passé ? Le premier match, c'était contre Lille. Donc j'ai commencé, on a fait l'entraînement toute la semaine. J'ai fait toute la semaine à droite. Donc je savais que j'allais jouer à droite. Maintenant, après, les entraînements en général, je suis dans l'axe jusqu'à 2 jours avant peut-être. Ouais. Et après, ensuite... Encore maintenant ? Oui. Ouais. Encore maintenant. Là, pour l'instant, je suis dans l'axe. Mais voilà, après, selon les entraînements, ça peut changer. Je peux passer à droite aussi, je peux passer dans l'axe, je peux passer à gauche. Donc maintenant, voilà, je travaille et... ça me permet de, comme j'ai déjà dit, de connaître autre chose, de progresser ailleurs aussi, mais c'est sûr qu'après c'est dommage pour moi parce que c'est mon poste, c'est l'axe, mais voilà, j'essaie de tirer du positif quand même, donc voilà. Après, c'est une vraie découverte pour vous, jamais, même chez les jeunes, vous n'aviez joué à ce poste d'arrière-gauche, qui est bien spécifique, hein, on va rentrer un peu dans les détails dans un instant. À gauche jamais, déjà faut être gaucher, j'ai pas de pied gauche, ouais. Même si j'essaie de faire de mon mieux, mais voilà, je sais que parfois je reçois le ballon et naturellement, j'ai pas envie de mettre le pied gauche. J'essaie de, sur le moment de la passe, j'ai un moment de réflexion et je me dis non, ça sert à rien, mais prendre le pied droit sera plus simple, ouais. Ça sera plus de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, Claudio Ranieri, ou ses adjoints d'ailleurs ? Est-ce qu'il vous aide ? Est-ce qu'il vous donne des petits conseils ? Vous disiez chez nos confrères de West France au mois de décembre, prendre le ballon avec mon pied gauche et me projeter vers l'avant, c'est pas naturel. Est-ce que ça le devient un peu plus avec le temps ? Est-ce que vous vous sentez de plus en plus à l'aise ? Je sais pas si je me sens plus à l'aise, mais j'essaie de prendre plus de plaisir. Et voilà, comme je t'ai dit, quand on prend plus de plaisir, on est meilleur. Donc j'essaie de m'adapter, j'essaie de prendre le pied gauche. J'essaie ce week-end déjà, en essayant de faire un centre. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Contre Guingamp, j'ai voulu faire un contrôle d'extérieur du pied, je l'ai pas fait. Du pied droit, peut-être j'aurais pris le pied gauche, ça aurait été mieux. Mais non, j'essaye. Mais juste le problème, c'est que j'ai toujours ce moment de réflexion sur le temps de passe qui fait que, voilà, peut-être c'est cette chose-là qui fait que je fais l'erreur. Mais par la suite, je pense que ça va s'améliorer.
Frédéric, votre regard, justement, vous qui suivez les matchs du FC Nantes, vous avez été surpris, comme bon nombre d'entre nous, en début de saison, de voir Kofi se retrouver côté gauche. On était d'autant plus surpris qu'il y a un arrière-gauche de métier dans l'effectif, donc ce n'est pas comme s'ils en manquaient. Mais auquel Claudio Ranieri ne fait pas forcément confiance sur un plan strictement défensif, et donc il trouve plus de sécurité avec Kofi. C'est vrai que c'est un sacré défi parce que, comme vous le disiez, non seulement arrière-gauche, c'est déjà un poste en soi compliqué, mais droitier, là, ça devient vraiment difficile. C'est vrai que face à l'adversaire, ça peut donner un avantage pour anticiper les dribbles selon l'adversaire qu'on a en face. Mais c'est vrai que voilà. Après, je trouve qu'il s'en tire admirablement bien parce que on ne peut pas lui imputer d'erreurs gravissimes dans la saison. Donc c'est quand même qu'il réussit à faire le boulot. Mais il a raison. Il dit l'important, c'est qu'il commence à prendre, qu'il arrive à prendre du plaisir et à ce que ça devienne le plus naturel possible pour que ça devienne plus fluide dans le jeu aussi. Ce qu'on vous reproche un petit peu, en règle générale, et j'imagine, c'est offensivement, c'est ça. Bah oui. C'est ça qu'il faut travailler, mais là aussi, c'est aller contre nature un petit peu. Oui, déjà d'une. Après, c'est que voilà, il y a des moments dans un match, j'essaye de prendre la profondeur. C'est pas pour ça que j'ai le ballon. Mais après, il faut faire l'effort derrière, et c'est pas toujours facile de revenir. Et voilà, après le but aussi, c'est de tenir 90 minutes, enfin 95 avec les arrêts de jeu. Donc c'est aussi important. Après, le coach me demande pas toujours ne veut pas que je monte trop. Après, j'essaye de le faire de plus en plus parce que je sais que ça apportera plus à l'équipe et ça peut créer des décalages, même si je reçois pas le ballon. Mais ouais, c'est pas naturel, mais voilà, faut forcer le naturel. On essaie de faire de son mieux. Et puis vous jouez, c'est ça l'essentiel. Oui. Vous vous retrouvez dans l'équipe. Alors justement, suite à l'entretien dont on parlait il y a quelques instants que vous aviez accordé à Ouest France, certains observateurs, certains journalistes, certains supporters vous ont dit oui, Kofi Djidi livre un peu ses états d'âme. Certains vous l'ont reproché. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre justement sur ce point précis? Moi, ça me fait rire parce que quand je suis passé en presse pour répondre aux questions, j'ai attaqué personne, j'ai mis la pression à personne. J'ai pas mis la pression au coach parce qu'on a toujours discuté. Aujourd'hui, il me fait toujours jouer à ce poste-là, donc ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Après, j'ai vu aussi qu'ils avaient mis que je mettais mon avenir en balance. J'ai dit on verra par la suite. Ça veut pas dire que j'ai mis mon avenir en balance. Donc maintenant, c'est toujours un minimum, un nombre minime de personnes qui sont toujours là à critiquer ou à pas prendre le bon sens des phrases, mais j'ai jamais, je me plains pas de jouer, mais c'est juste que c'est pas facile de jouer un poste qui n'est pas le sien et j'essaie de faire de mon mieux. Maintenant, les gens qui me critiqueront, il y en aura toujours, même quand je suis défenseur central, il y aura toujours des critiques. Et voilà, si on fait attention à tout ce qui se dit, on n'avance pas. Justement, moi, vous essayez d'être perméable à tout ça? Non, moi j'essaie de. Il y a des critiques qui sont bonnes à prendre, mais je pense que les critiques qui sont bonnes à prendre, c'est surtout de la part des gens qui connaissent bien le football aussi, comme le coach ou les coachs adjoints. Donc j'essaie d'écouter surtout ces gens-là, parce que c'est eux qui vont me faire progresser et pas le contraire. Parce que sinon, si je m'arrête à tout ça, autant que j'arrête le foot et je rentre chez moi. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être difficile, parce que je lis certaines choses, mais. Je fais abstraction de tout ça parce que voilà, je travaille tous les jours pour essayer de faire de mon mieux et pour en être là aujourd'hui. Donc voilà. Alors depuis le début de la saison, on va regarder vos chiffres. Ce sont 25 matchs, toutes compétitions confondues, que vous avez disputés. Et en Ligue 1, 18 titularisations, 12 fois arrière-gauche, 5 fois défenseur central, 1 fois arrière-droit. Frédéric, est-ce que ça veut dire que dans la tête de Claudio Ranieri, en tous les cas pour cette saison, c'est figé, ça ne bougera plus? Là, je dirais que sauf blessure, oui. D'autant plus que les défenseurs centraux, Diego Carlos, Nicolas Palois, donnent plutôt satisfaction. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de raison, à mon avis, dans l'esprit de Claudio Ranieri, de changer ça. Maintenant, on en avait parlé d'ailleurs déjà en décembre, puisqu'il se murmurait que Diego Carlos intéressait certains clubs.
en cas de départ dans l'axe, Kofi aurait une légitimité à revenir, le poste. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que lorsqu'il dit qu'il a envie de jouer et qu'il se sent toujours défenseur central, c'est tout à fait son droit de le dire. Et c'est vrai que je ne comprends pas non plus cette réaction. D'autant plus qu'il n'a jamais montré aucun signe d'agacement ou quoi que ce soit à jouer à gauche. Donc voilà, il a fait son métier. Maintenant, il a le droit d'avoir sa préférence. Surtout si on lui pose la question en conférence de presse, c'est normal qu'il y réponde sincèrement. On ne peut pas lui reprocher. Écoutez justement ce qu'en disait Fabrice Pancrade dans cette même émission le 30 novembre dernier sur le cas Djidji à gauche. Écoutez-le. Et je reviens encore là-dessus parce que moi, ça me dérange. Djidji, non. Moi, dans pas l'axe. À gauche. Non, dans l'axe, ouais. Avec Diego Carlos, ouais. La charnière centrale qui a fait que cette équipe est remontée au classement sous le commandement de Conceição, c'est pour moi, c'est idéal. Alors pourquoi avoir recruté, Frédéric, Nicolas Palois finalement, puisqu'il y avait ce qu'il fallait. Oui, après, bon, il me semble qu'il voulait un gaucher, il tenait à avoir un gaucher pour jouer dans l'axe. J'aimerais savoir exactement qui a recruté Nicolas Palois. Je sais que c'est un joueur qui plaisait à Ranieri, mais... Après, on sait bien qu'on a malheureusement parfois l'impression au sein du FC Nantes que les joueurs formés localement sont un peu moins bien traités que les autres, moins considérés, ouais. Que ce soit dans les négociations pour les prolongations, enfin tout le monde voit de quoi je parle. Donc, est-ce que c'est un déficit de confiance en Kofi? J'espère que non, parce qu'il avait prouvé qu'il était tout à fait capable d'occuper le poste. Maintenant, c'était une opportunité aussi d'avoir Nicolas Palois qui apportait aussi beaucoup d'expérience. Mais bon... Je pense aussi que Ranieri voulait se donner la possibilité de jouer avec trois défenseurs axiaux, ouais. Ce qui est une possibilité avec Kofi aussi. Donc voilà, maintenant, je pense que ça va se régler déjà cet été. Awasim ne restera pas forcément, Diego Carlos non plus. Voilà, il faut attendre cet été. Et cet été, il sera temps d'avoir une vraie discussion sur l'avenir de Kofi et à quel poste. Vous aimez cette concurrence, justement, dans l'axe central, parce qu'on comprend bien que vous ne voulez pas lâcher le morceau, ce qui est tout à fait normal. Non, moi, j'ai toujours dit qu'il faut de la concurrence, parce que autrement ça peut te permettre, c'est un désavantage, mais de te reposer sur tes acquis. Et voilà, pour moi, je pense pas que ce soit intéressant. Maintenant, moi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, Nico, ça a toujours été un défenseur que, quand je regardais les matchs à Bordeaux, j'ai toujours apprécié sa qualité. Ouais. Après, il a fait face à des critiques au début des matchs, mais voilà, c'est une chose qui peut arriver, et il n'a pas fait d'erreur non plus. Maintenant, il faut de la concurrence. En plus de ça, ils font des bons matchs. Donc, c'est bien pour eux, c'est bien pour l'équipe. Maintenant, voilà, c'est sûr que tant que la concurrence elle est saine, c'est bien et ça continuera. Et je pense que, de toute façon, on est des personnes intelligentes. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Puis un vrai groupe cette saison. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui. De toute façon, on est dans la continuité de ce qui se faisait avant. Donc, on est toujours soudés. La plupart des joueurs se connaissent. Donc, voilà. Mais non, c'est bien, c'est bien. Comme je dis, il faut de la concurrence. Donc, maintenant. Voilà, moi maintenant je travaille pour jouer à ce poste-là, mais après le coach en a décidé autrement pour l'instant, et voilà, j'essaie de donner cette satisfaction à notre poste et de rendre la confiance qui me donne quand même. Malgré tout, vous prenez de plus en plus de plaisir à jouer dans cette équipe, ça j'imagine qu'on peut le comprendre parce que les résultats, et on va en reparler dans un instant, suivent, et puis parce que bah, vous enchaînez également les matchs dans cette position un peu inconfortable. Non, bien sûr. Après, il y a toujours des matchs où, quand c'est difficile, bah voilà, c'est là que ça peut devenir plus dangereux, parce que faut pas se prendre trop la tête, parce que c'est pas mon poste, donc faut que je me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire. Et voilà, quand on perd un match ou voilà, on va peut-être essayer de plus se projeter vers l'avant et moins défendre. Il faut pas, c'est pas des choses à ne pas faire, surtout dans mon cas, où je suis pas de base porté vers l'avant. Mais non, après. Voilà, il y a les résultats qui font que aussi, et on a un bon groupe. Donc voilà, je sais que aussi je m'entends bien avec Adri sur le côté. Adrien Thomas. De plus en plus, surtout sur les deux derniers matchs. Et voilà, je pense que c'est un travail de tous les jours aussi. Et vu que voilà, l'entente aussi hors terrain est bonne, bah, ça se passe bien. Au-delà de votre cas personnel, dont on a longuement parlé, comment vous la vivez justement cette saison surprenante du FC Nantes? Est-ce qu'elle vous surprend tant que ça? Cette cinquième place après 24 journées? Non, franchement, bah aujourd'hui, non. Au début, peut-être, mais ce n'est pas une question à laquelle je me posais. C'était surtout,
c'est surtout qu'on voit le travail qu'on fait. Parce que voilà, c'est quand on voit le premier match contre Lille, c'est vrai qu'on a fait un mauvais match, ils ont fait un bon match Lille. On le rappelle, voilà. Hein, défaite inaugurale, 3-0 du FC Nantes à Lille. Là, à ce moment-là, les matchs qui ont suivi, on pouvait se poser la question. Mais ensuite, on voit qu'on est solide défensivement. Mais je parle défensivement, je parle de toute l'équipe. Ce n'est pas que les défenseurs, c'est toute l'équipe. Et il y a un vrai travail, il y a un vrai bloc équipe. Donc non, je ne suis pas surpris. De toute façon, au bout d'autant de journées, je pense que la place, elle est méritée. Et voilà, faut assumer notre place et prétendre à la garder. Peut-être voir plus, mais déjà prétendre à la garder, c'est déjà intéressant. Ces derniers mois, là, travailler avec Conceição, travailler avec Ranieri, vous avez vraiment l'impression, alors le groupe et personnellement, d'avoir progressé à vitesse grand V avec ces deux grands entraîneurs là. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. C'est vraiment deux top. Qu'est-ce qui change justement ? Tout, la façon d'être, la façon de faire, la façon de parler. La façon d'être avec les joueurs, les entraînements sont intéressants. Tu as envie de t'entraîner. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de m'entraîner, mais quand je dis envie de t'entraîner, c'est vraiment que tu te lèves le matin, tu es vraiment heureux de venir à l'entraînement, tu n'attends que ça en fait. C'était plus le cas auparavant ? Quand on était à la 19e place, c'est vrai que ce n'est pas que tu n'as pas envie. Avec René Girard, on le rappelle. Tu te lèves pour essayer de. Pour faire mieux, parce que tu te dis que ce n'est pas notre place, on ne mérite pas ça. Enfin, au regard de l'équipe et du club, on ne remet pas ça au regard de ce qu'on faisait. C'est sûr qu'on le méritait. Mais c'est sûr que voilà, si tu es compétitif, tu ne peux pas accepter cette place-là. Donc, voilà, mais comme je dis, tout changeait. C'est le discours déjà d'une. Le discours n'est pas le même. Après, je ne dis pas, comme je peux le revenir avec Gérard, c'est pas que ça se passait mal. Il y avait un discours. Après, c'est entre les deux coachs, justement, entre Conceição et Ranieri, on avait posé la question à Léo Dubois ici, même sur ce plateau, il y a une grosse différence, ou est-ce que c'est vraiment dans la continuité, bon, avec bien sûr des spécificités pour chacun ? Non, il y a quelques différences, mais ça se ressemble, parce que déjà, Conceição, il est passé par l'Italie aussi. Je pense qu'il a gardé ce qu'il avait acquis en tant que joueur, il l'a gardé bases défensives. En étant coach, même le placement tactique, parce qu'on faisait la tactique aussi. Donc, quand Ranieri est arrivé, ça n'a pas chamboulé ce qu'on avait fait avant. Il fallait que les premières choses qu'on a travaillées, il fallait que le bloc équipe soit fort défensivement. C'est pour ça qu'il y avait un peu moins de jeux qui étaient proposés aussi. Mais c'était aussi ce que voulait le coach. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu des matchs où on a fait de très bons matchs. Et il y a eu de bonnes actions de jeu, mais c'est vraiment ce qu'il voulait. Frédéric, est-ce que Nantes, avec cette équipe-là, après 25 journées, peut aller chercher une place européenne en fin de saison ? Oui, elle peut. Oui, bien sûr. Et avec cet entraîneur, qui est Claudio Ranieri ? Est-ce qu'on commence à avoir les contours de cet exploit, parce que ça serait un exploit finalement. Oui, ce serait un exploit, quoi qu'on en dise, si on prend la situation au début de la saison. Maintenant, comme le disait Kofi, ils ont rien volé, il n'y a pas de secret. Au bout de 24 journées, on n'est pas là par hasard. La défendre, ça va être dur, on ne va pas se mentir. Il y a des clubs qui reviennent bien, il y a Nice, il y a Bordeaux. Rennes n'est pas encore lâché. Pas. Montpellier, même si j'ai tendance à croire que Montpellier va un peu lâcher sur la fin, mais ça c'est mon pronostic à moi. La question, c'est dans quelle mesure Nantes va être capable de traverser les moments un peu difficiles, les petits coups de moins bien, comme il y a eu là en début de saison. S'ils arrivent à rester dans la course sur les 4-5 dernières journées, ce sera une lutte au mental. Avec ce qui restera d'énergie, et on sait que Ranieri serait capable d'aller chercher ça. Ouais. Et dans le money time, comme on dit en basket, je pense que Nantes sera très fort. Toute la question, c'est d'être encore à ce moment-là bien dans la course, et là, le rêve sera permis. Vous n'avez pas de doute, vous, Kofi ? Nantes va être européen en fin de saison ? Non, mais il ne faut pas s'enflammer. Comme je dis, on a fait 6 bons premiers mois. Maintenant, il reste encore 4 mois, donc... Il faut travailler, il faut faire aussi bien, voire mieux. Et là, à la fin, on fera les comptes. Mais bien sûr, dans nos têtes, on est ambitieux, donc on veut garder cette place. Et il faut voir toujours plus haut pour avoir le minimum. Et le minimum, ça serait de rester 5e. Donc voilà, mais on ne doute pas. Nous, on travaille, on sait de quoi on est capable. On l'a fait pendant 6 mois, et je parle aussi de la saison avant.
Donc on a les capacités pour faire quelque chose et il ne faut pas en douter, il faut continuer à travailler. On va revenir sur votre cas personnel et terminer sur votre cas personnel. En mai dernier, vous avez prolongé jusqu'en 2021 au FC Nantes. Quand vous voyez des jeunes de votre promotion, Léo Dubois qui va partir à Lyon puisque ça a été officialisé, Valentin Rongier qui risque également de partir en fin de saison, ça donne des envies quand on s'appelle Kofi Djidji, même si vous avez prolongé jusqu'en 2021, de se dire bah, les copains partent et pourquoi pas moi ? Déjà, moi, je suis encore un cas à part, parce que je suis le seul de la montée. Déjà, je suis le seul qui reste. Il restait de Ligue 2 à Ligue 1. Voilà, ouais. C'est ça. Donc, ça va faire 10 ans que je suis là. C'est ma 7e année en pro, là. Donc, c'est encore pas pareil. Après, voilà. Aujourd'hui, des joueurs qui font des carrières de 17 ans, 15 ans dans leur club, il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas énormément. Après, selon chaque cas est différent, il y a une négociation qui rentre en jeu. Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, vous aviez eu proposition des Girondins de Bordeaux, notamment. Vous n'y aviez pas répondu favorablement. Nantes, ça reste malgré tout le club de votre cœur. Si vous pouviez aller en Europe avec eux, ça serait... Non, bien sûr. De toute façon, je suis content d'être là aujourd'hui et de pouvoir prétendre à une place européenne. Maintenant... Après, il faut être ambitieux, donc je ne vais pas dévoiler mes ambitions, mais il faut être ambitieux, pardon. Donc, bien sûr, si on peut prétendre à autre chose par la suite de la carrière, je ne vais pas cracher dessus non plus. En tous les cas, vous serez encore ensemble jusqu'à la fin de la saison avec Léo, avec Valentin, après... Et avec Abdoulaye Touré également. Et après, il y en a beaucoup. Hein. Julie Loki, on ne va pas tous les faire non plus, Frédéric. Mais... Si, on a le temps. Après, la super victoire face à Guingamp. 3-0, vous êtes retombé un petit peu dans vos travers. On va découvrir les images. C'était le week-end dernier à Caen, avec une défaite 3-2. Pourtant, vous ouvrez le score par Yacine Bamou. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match, Frédéric ? Vous y étiez. Nantes qui a eu la possibilité, qui a amené 1-0, qui est revenu à 2-2 et qui s'écroule en fin de partie. C'est un match bizarre parce que globalement, j'ai trouvé que Nantes avait quand même été dominant dans le jeu, qu'ils avaient quand même maîtrisé le rythme, qu'ils avaient été peu mis en danger. Mais il y a eu... une décision arbitrale qui peut être discutée. Le fameux penalty, on va y revenir. Même si j'en suis pas fan, mais on peut quand même la discuter. Et deux erreurs de marquage, il faut dire les choses, sur les corners. Sur un joueur, Damien Da Silva, à la qualité de jeu de tête reconnue. Donc voilà, trois buts quasiment sur les trois seules occasions canaises, ça fait cher. Et la défaite est, à mon sens, pas forcément méritée. Donc il faut espérer que c'est qu'un accident. Mais ça montre encore une fois, comme l'avaient montré les matchs avant Guingamp, que Nantes ne peut se permettre aucun relâchement. Regardez le classement, justement, après 24 journées, le classement de cette Ligue 1 avec Nantes, toujours 5e, 37 points, mais simplement 3 petits points d'avance sur Montpellier. C'est dommage, Kofi, parce qu'on a encore l'impression que Nantes pouvait creuser l'écart, et ce n'est pas la première fois de la saison, et vous n'avez pas réussi à le faire. C'est là où Nantes doit travailler aussi. C'est toujours la même chose en fait. C'est que quand on peut passer un cap, prendre de l'avance sur les autres équipes, on le fait pas. Et c'est préjudiciable parce que c'est-à-dire que si on avait pris de l'avance, si on avait gagné ce match, c'est une un joker. Donc voilà. Mais là, c'est-à-dire que faut bien sûr on joue pour gagner les matchs, mais il faut absolument gagner pour essayer de et espérer aussi un faux pas des autres équipes. Mais c'est sûr que c'est dommage de ne pas passer ce cap parce que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais je pense que ça va, d'ici la fin de saison, on va réussir. Vous allez réussir. On va revenir rapidement, il nous reste à peine 2 minutes sur le pénalty parce que je voudrais votre avis, Kofi, sur cette faute de Léo Dubois. À vitesse réelle, vous êtes en bas à droite là, de l'écran. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous êtes surpris que l'arbitre siffle le pénalty là-dessus ? Ouais, franchement, ouais, parce que déjà, j'ai vu que c'était... Au début, je pensais que c'était Diego. Ouais. Mais je vois que c'est Léo qui est au duel avec lui, quand même c'est Crivelli. Bon, ce match-là, il a fait que tomber. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a étonné. Mais après, ça date pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes d'arbitrage, mais c'est comme ça. Un petit mot également sur le match qui vous attend dimanche 17h, ça sera Lille.
On se souvient du match aller, on en a parlé, 3-0 à l'aller pour Lille. Il y aura un esprit de revanche à partir de 17h dimanche à la Beaujoire pour cette équipe nantaise. Bien sûr, il faut faire quelque chose. C'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Ils sont certes en difficulté, ils reviennent un peu mieux là. Mais ça va être un match qui nous tient à cœur parce que voilà, on s'est pris 3-0 au premier match, donc ça fait mal. Mais on sait que c'est une bonne équipe et si on veut aussi continuer à garder cette cinquième place tout seul, faut faire un résultat. Comme c'est la fin de l'émission, la coutume veut que je vous demande votre pronostic. Nantes-Lille, Frédéric, qui va l'emporter dans magnifique 1-0 pour Nantes. Kofi, le premier but de la saison de Kofi Gigi, peut-être, face à Lille ? 1-0 aussi. Allez, 1-0, voilà. Eh bien, on va rester sur ce 1-0. On rappelle, 17h, dimanche, à la Beaujoire. Match entre le FC Nantes et le LOSC. On peut revoir rapidement les autres matchs de cette 25e journée. Marseille qui ira à Saint-Étienne, Toulouse-Paris-Saint-Germain et Lyon-Rennes pour conclure cette 25e journée. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup, Kofi Gigi. Bonne fin de saison. Merci également à Nico, Glenn et Laetitia. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de Foot. Salut à tous.